a parlé de l'amélioration de la classe. Et qu'est-ce qu'on fait en classe? Comment on peut améliorer les choses en classe? Mes missions sont de développer un climat scolaire serein et bienveillant en classe, soutenir le bien-être des élèves et lutter contre le décrochage scolaire. Et ici, pour les classes du primaire, on se focalise plus sur la prévention du harcèlement scolaire et sur des animations, sur le bien vivre ensemble. On est avec nos élèves tout le temps, on les connaît bien effectivement, on leur donne des pistes et on essaie d'aider un peu au conflit. Mais avoir des idées extérieures, peut-être aussi voilà, des aides, des choses auxquelles on n'a pas pensé, ben, ça aide effectivement à créer un climat beaucoup plus serein dans nos classes. On avait une feuille et elle avait demandé qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour l'année prochaine. Cette activité, elle est composée pour certains, notamment à cause du Covid, voilà, ça leur a procuré une certaine frustration et certains peuvent adopter un comportement pas toujours adéquat. Donc on en discute ensemble, ça se transforme en groupe de parole. Le but c'est quoi? C'est de développer donc l'empathie des autres et c'est de trouver des solutions tous ensemble, puis voir un petit peu ce qui fonctionne bien en classe et ce qu'on peut ensemble améliorer pour l'année à venir. Comme ça, chaque élève a sa place, a son rôle à jouer et a son importance. J'ai beaucoup de gros mots, je frappe un peu. Oui, moi ça va m'aider à changer d'attitude, mon comportement dans la cour, mon comportement en classe et mieux travailler pour avoir des beaux points en fin d'année. Bon, c'est vrai que les enfants ont changé, d'année en année ils changent. Ce qu'il y a beaucoup c'est que ben, les enfants, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu moins de limites et donc ils se pensent un peu plus tout permis. On doit avoir beaucoup plus de poignes, beaucoup plus de règles et être intransigeant en fonction de certaines choses que nous on trouve vraiment essentielles dans le climat de classe. Mais sinon, voilà, une fois qu'on leur explique correctement les choses, qu'ils savent qu'ils peuvent être en confiance avec nous, en général ça se passe très bien.